viens te faire aider. Je veux t'aider. Viens. Viens avoir de l'aide. Maman. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours le même rêve. Hein? Quel rêve? J'ai vu une fille qui était sortie de l'eau. Nonié? Maman. Nonié? Maman. Nonié! Tu dois être vraiment stupide. Oui. Tu as vu une fille qui est sortie des eaux. Nonié, je t'ai dit à maintes reprises de rester fervent dans la prière, afin que Dieu t'envoie un homme pour t'épouser. Tu me racontes ces mêmes rêves de cette fille qui sort de zoo. Est-ce celui l'homme qu'on attend? Tu dors sous cet arbre cet après-midi pour me raconter des rêves qui n'ont ni tête ni queue. Hein, Nonié? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu te maries. Tout ce que tu peux voir dans ton sommeil sous ce ciel ouvert, c'est cette fille qui sort de zoo. Rêve d'un homme qui va venir épouser. Maman, mais n'est-ce pas que je prie? Tu crois que c'est en me séchant la gorge avec la prière qu'un homme viendra? Ou se veux-tu que j'aille dans la rue et forcer un homme pour qu'il vienne m'épouser? Mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me tortures tout le jour, maman? Je suis une esclave. Maman, ce que tu fais n'est pas juste. C'est pas du tout juste. J'aime pas ça. C'est pas juste. Ça, c'est la maison de mon père. Je n'irai nulle part. Ça, c'est la maison de mon père. Et tu n'as pas le droit de me chasser. Écoute ce qu'elle dit. Mensonge. En vrai, mais je ne partirai pas. Tu ne l'oseras pas. Parce que j'ai laissé la maison de mes parents, hein? Tu partiras d'ici, tu dois aller vivre dans la maison de ton mari. Inani Feneku, tu partiras d'ici, tu dois aller vivre dans la maison de ton mari. On en a assez avec toi. Assez. Maman, ça c'est la maison de mon père. Tu ne vas pas me chasser de la maison de tu mon père. Tu vas partir. Je n'irai nulle part. Partiras. Je ne partirai tu pas. Tu vas t'en aller. N'importe quoi. Nyan. Ferme-la. Qui est méchante? T'es méchante. Je t'ai dit la vérité. Tu es très méchante, maman. Ah, je suis ta fille unique. Traite-moi comme ta fille et non une esclave. Mba, je ne peux pas te traiter comme ma fille. J'en ai assez. Tu dois trouver un homme pour t'épouser. Maman, je j'arrête ne partirai de dormir pas pendant d'ici. La journée. Et tout te rêve ne fait que tourner au sens contraire de la vie. Tu rêves de tout sauf d'un homme qui peut t'épouser. Nonié? Je m'en vais. Continue de rêver. Allons bon. Maman, ce que tu fais n'est pas bien. Tu es une folle. C'est pas bien. Ton cœur est si dur comme une pierre. Je suis ta propre vie, mais tu me traites comme une esclave. Bébé, regarde. Tu ne regardes pas? Regarde, chéri. ce gars est très comique. Chéri, tu ne regardes pas? Chéri, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu... Assez! Assez de cette bêtise. N'est-il pas clair que tu deviens un défaut pour moi? Hein? Depuis que tu es venu dans cette maison, tu ne t'es jamais comporté de manière décente. Tu m'as pris 2 millions de naira pour faire le business. Mais jusque-là, rien du tout ne marche. Même pas un iota. Et jamais j'ai eu à entendre des cris du genre « Chérie, tu vois, je suis enceinte. » Même pas dans un rêve. En réalité, j'essaie de vivre avec un homme
dans une robe. Chérie, es-tu en train de... Veux-tu la fermer et entendre ce que je dis? Tu m'as amené de la malchance. Avant de me marier à toi, je vivais bien, tu sais, j'avais deux voitures. Je vivais une vie de luxe. Et après ce maudit mariage, je n'arrive même plus à acheter une motocyclette, même pas la petite là. Ni d'être mon grand frère qui prend bien soin de nous. Que serions-nous devenus? On serait rentrés très bien à la maison de notre père. Allez. Au moins ça t'aurait rendu heureuse, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je n'ai même pas le temps pour toi maintenant. Je dois juste m'en aller. Regarde. Pourquoi tu me traites de cette façon? Pourquoi tu me traites de la sorte? C'est moi qui donne les enfants. Suis-je Dieu? Suis-je Dieu? N'importe quoi. Oui, allô? Oui, grand frère. Oui, je suis en route vers la maison. Yeah. Oui, la maison est très prête. Ça, c'était hier. C'était hier, oui. La maison a été totalement équipée depuis hier. Tu peux compter sur moi. Au moins, tu seras très content de ce que tu verras. Laisse-moi aller vérifier alors. Je vais te relancer. Ok. Ok. Merci, maman. Eh, Noye. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Maman, vous partez au champ? Oui, nous allons au champ. Eh, je t'ai venue un peu plus tôt, j'ai déjà travaillé. Je sais. Ok, maman, c'est merci. C'est bon. Courage, hein? Courage. Merci, maman. Ok. Regarde ce qu'elle a déjà fait. Hein? Cette fille est forte, maman. Elle est vraiment une bosseuse. Heureusement que tu le reconnais. Elle ne se fatigue pas. Exactement, c'est comme tu l'as dit. Oui, elle n'est pas paresseuse comme toi. Heureusement que ça vient de toi. Tu ne viens jamais au champ sans que je t'aie menacée. Maman, mais pourquoi tu dis ça? Mais tu l'as fermée. Qu'est-ce que je fais? Où? N'est-ce pas que nous portons au champ? Oh, c'est parce que tu as porté ça. Pour que les gens croient que tu es en train de travailler. Tu travailles dans un champ ou dans ton rêve. Qu'est-ce que tu fais souvent sous l'arbre? Telle mère, telle fille. Quelle fille? Viens ici. N'ose plus ouvrir ta bouche et dire que je suis ta mère. Là-bas. Tu seras toujours ma maman. Toi. Mais maman, tu sais que moi et les champs, ça fait deux. Mais au moins la cuisine, quand je prépare, je me débrouille bien. Hein? Ah! Ah! Tu es une de paresseuses que j'ai jamais vue. Allez, aujourd'hui, tu dois travailler. Bouge vite. Ne m'ignore pas comme ça, hein, s'il te plaît. Je suis quand même un humain. Ne fais pas ça. Je ne me rappelle pas de t'avoir appelé animal ou bien un arbre. Mais tu sais, lorsque tu passes comme ça, sans même me regarder, je me vois comme si j'étais un arbre. S'il te plaît, j'ai pas le temps. Chi, s'il te plaît. Hein? Je suis désolé de te faire perdre ton temps, mais je voulais juste savoir ce que tu penses à propos de ce que je t'avais dit l'autre fois. Tu n'es même pas de mon genre. Oui. Hey. Laisse-moi te dire très bien. Udoka, je ne peux jamais t'épouser. Ce n'est pas que je te déteste, oh. Pas du tout. Tu n'es pas seulement le genre d'homme que j'aime, non? Hein?
Désolée pour ça. Mais maman... Hein? Regarde, je suis suffisamment capable pour prendre soin de toi. Je sais que je n'ai pas d'argent maintenant. Le peu que je gagne, je vais l'utiliser pour prendre soin de toi. Bref, je serai un bon mari pour toi. Désolée. Bien, Udoka, laisse-moi te dire ceci. Toute chose n'est pas pour l'argent, mais c'est un rêve. Laisse-moi te dire ceci, Udoka. Chaque fille a toujours un rêve d'avoir un homme qu'elle aime. Mais tu n'es pas de mon genre. Je suis désolée. Je sais que tu ne comprends pas, mais je suis désolée. Regarde, Chi, ne me rejette pas juste à cause de ma condition. Je sais, mais comme je viens de te le dire, je serai un bon mari pour toi. Toute chose n'est pas pour l'argent comme tu viens de le dire, mais si tu me donnes un peu de temps, juste un peu de temps dans ta vie, tu comprendras que Udoka est un bon homme. Je prendrai bien soin de toi. Je vois très bien que tu ne me comprends pas. Je n'ai plus rien à dire. Excuse-moi. Chi. In the middle of the ocean, between love and my God, there must be... Chi. Hello, mama. Hey, Udoka, Udoka, non. Chi. Tu ne plus. Mais mon amour, c'était quoi la signification de tout ça, hein? Comment as-tu pu m'humilier devant mes propres parents? Je suis désolée, Ife. Je ne devais pas le faire. Tu sais très bien que je ne t'aime pas. Tu le sais bien. Quoi? Oui. Mais chérie, tu voulais me faire croire que tu m'aimais, c'est ça? Oui, c'est parce que tu me dérangeais beaucoup. Tu voulais seulement que je te dise oui. Alors je devais oui pour que tu me laisses tranquille. Même si je te dis oui, tu ne m'as pas toujours laissé tranquille. Non. Juste deux jours après, tu viens avec tes gens demander ma mère en mariage. Tu voulais que je fasse quoi alors? S'il te plaît, tu ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu sais que je t'aime et je vais passer les restants de mes jours avec toi, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Je suis désolée, Ife. Écoute, nous parlons de deux choses différentes ici. Hein? Je sais pas pourquoi est-ce que vous voulez toujours m'épouser ici dans ce village. Oh mon Dieu, Chine, c'est vraiment ça que tu as choisi de me faire? Non, mais dans quelle merde je me suis planqué? Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? Hey, je suis foutu, nom de Dieu. Quels sont tes projets? Dans une année, juste dans une année, tu as rejeté 11 prétendants. Ayou, tout va bien. Oncle, je suis bien. C'est juste que je n'ai pas encore vu l'homme de ma vie. Je dois attendre. Mon ami, ferme ta bouche. Ferme-la. 11 hommes sont venus demander ta main en mariage. Hein? Et tu n'as accepté aucun d'eux. Bon, tu crois que ça va continuer comme ça? Bientôt là, il n'y aura plus personne qui t'approchera dans ce sens. C'est parce que 11 hommes ont défilé ici pour demander ta main en mariage. Tu crois que tu es devenu spécial? Vois maintenant comment ils tous ont disparu maintenant. Ils sont partis pour du bon. Arrête de faire passer ton temps. Je suis sûr qu'elle n'est pas au courant de ça. Jusqu'à ce que tu en arrives au point où tu sortiras pour aller supplier les hommes avec des cadeaux et autres choses pour qu'ils viennent afin de demander ta main en mariage. C'est alors que cette folie que tu es en train de manifester là, tu vas regretter. Mais je suis déjà une grande fille. Je ne peux pas épouser un homme juste parce que j'ai envie de me marier. Je dois attendre cet homme-là qui doit venir. Si tu n'as pas pu retrouver cet homme spécial que tu attends parmi tous ces 11 qui viennent de défiler ici, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Et dans ce cas, tu ne trouveras rien de spécial. À quoi dit Kenou, ma fille, avant que ça ne soit tard? Décide de toi de te marier. Maman, ne me souhaite pas la malchance. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Ne me souhaite pas la malchance. Je vais me marier au moment venu. Ok. Espérons bien. Étant ancien dans cette famille, je ne dirai que la vérité. Plus tu rejettes tes prétendants, plus tu ouvres la porte à tes futurs regrets. J'ai dit. Somebody help me.
tu dois considérer ce que je suis en train de te dire. C'est très sérieux, ma fille. Mais s'il te plaît, ça suffit. Ça suffit, pardon. Si tu ne peux pas te marier maintenant que tu as de l'âge, en quoi tu vas encore espérer quand tu n'auras plus de l'âge? Je crois que tu dois être fatiguée. Maman, je suis très fatiguée. Avec ce long voyage que tu as fait. Sérieux, maman, je suis très fatiguée. Maman, c'était vraiment un long voyage. Comment va, Mubel? Maman, pardon. S'il te plaît, n'impose pas de questions sur cette femme. Samuel, je t'ai dit beaucoup de fois que c'est Dieu qui donne les enfants. La maternité, c'est un don qui vient de Dieu. Non. Alors tu ne peux pas la blâmer et tu ne peux pas le punir pour ça. Maman, cette femme ne m'a rien apporté de bon. Laisse-moi te dire la raison de ma visite. Je ne suis pas là pour parler de mes erreurs. La plus grande erreur, c'est ce que tu as fait ici en parlant de Mabel. Maman, Akati a fini de construire sa maison et il m'a dit clairement qu'il veut se marier. Hein? Oui, maman. Il s'est marié avec une blanche? Non. Quelqu'un de ce village. Gloire à Dieu. Contente. Oui. Parce que dans ces villages, il y a des filles qui sont bien éduquées. Je vais personnellement lui chercher une d'entre elles. Oui. Maman, telle que tu avais trouvé mes belles pour moi, elle a déjà une fille en tête et elle s'appelle Tinere. Tu quoi? Tinere. Tinere. Ma Tinere. Oui, maman. Yeah. Et même où y'a? Maman. Maman. Je suis très aimée. Tu es très contente. Maman, qu'est-ce qui se passe? Merci. Je suis tellement contente. Nonie, ton frère Akati, hein, va épouser Tinere. N'est-ce pas que c'est bien? Cela se passera seulement si elle ne le rejette pas comme elle le fait avec toi. Mensonge. Un grand mensonge. Tu sais pourquoi? Tu vois, tous ces deux genoux sont toujours au sol, en train de prier jour et nuit. Alors rien ne pourra. Mais pourquoi tu es toujours négative? Maman la combattante. Oui. Je te salue. Maman. Tu vois, pour ça, ta gorge séchera. Oh, assez. Mensonge. Pas de problème. Observe. Allez, ça n'aura pas lieu. Et tu verras. C'est faux. Attends, tu verras. Elle fait déjà partie de ma famille. Maman, une bonne maman. Femme. Hey, maman. N'ose même pas le dire. Ne le dis pas haut. Ha. Tu n'es que dalle. Gloire à Dieu. Dieu ne te répondra pas. Oh, mon Dieu. Quand elle sera à nous, officiellement. Hé, mon Dieu. Mais il faut oublier ça. Maman, cette prière ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça a déjà marché. Maman. Maman. Nonie, quitte ici. Ah. Pars d'ici avec ton pessimisme. Mon fils, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Mais ton frère Akachi doit venir ici. Pour nous voir. Si je te dis que il y a plus ou moins 10 hommes qui sont déjà passés pour demander la fille de ma mère en mariage, cette année, tu ne me croiras pas. Ce n'est pas vrai, ça. Elle a rejeté toutes leurs demandes. Mais maman, je sais que c'est une bonne fille, sans doute. Et je ne blâme pas tous ces hommes de vouloir sa mère en mariage. En effet, elle est très belle. Oh, merci pour les compliments. Mais tu dois quand même dire à ton frère de venir ici nous voir. Et le plus tôt qu'il viendra, le mieux sera pour lui. Mais maman, s'il te plaît, aide-moi à lui parler. Elle connaît très bien mon frère. Nous avons tous grandi ensemble. Et à vrai dire, je ne pense pas qu'elle va le rejeter. Je connais bien ma fille, mais j'en parlerai avec elle. Je sais qu'elle voudra d'abord voir ton frère avant qu'elle ne prenne ses décisions. Alors, il doit venir. Ok, maman. Je vais lui envoyer un message. Oh bien, maman, je dois m'en aller maintenant. Ok, merci beaucoup. Malicha. Au revoir, hein. Né. Oui. Je suis sûre que celui-ci n'est pas venu demander ma mère en mariage. J'ai cru que tu le connaissais.
Mais il est déjà marié. Maman, il y a combien d'hommes ici qui sont bel et bien mariés, mais qui viennent toujours me demander en mariage? Tu le sais, comme si je suis la seule fille dans ce village. C'est parce que tu es exceptionnelle. Ah, merci beaucoup. Tu me fais sentir comme si j'étais la seule fille ici dans ce village. Merci énormément. Ok, de rien. Mais tu es différente de toutes ces filles. Bien sûr que tu es unique en ton genre. Hein? Mais... Oui. Je crois que ces gars étaient venus pour moi. Je mens? Oui, c'est ça. Tu te rappelles encore de son frère? Akachi? C'est lui qui était allé à Londres. Il est revenu après toutes ces années. Tu te rappelles de quoi? Oncle, je l'aime. Même sans le voir? J'aimerais croire que il y a un Dieu quelque part qui répond aux prières. Nous devons vraiment parler. Maintenant, le Créateur l'a ramené vers moi. Ne me dis pas que tu l'aimes, même sans pour autant le voir. Mais je le connais bien. Tu l'as connu avant. Et ça fait déjà un temps. Tu ne sais pas exactement quel genre d'homme il est devenu. Oncle, je ne m'imagine pas en train de lui dire non. J'ai prié et j'attendais toute ma vie cet homme. Je ne peux pas lui dire non. J'ai rejeté beaucoup d'hommes pour ce jour. Ma fille, même si nous voulons que tu puisses te marier, nous n'aimerions tout de même pas que tu t'es mariée à quiconque qui peut mettre en cause ta destinée. J'espère que tu me comprends. Oui. Maman, maman. Je ne comprends pas. Tu es en train de sourire. Maman. Hey, maman. La manière dont cette fille-là s'occupe des travaux ménagers me rend perplexe. Cette fille est tellement humble. Oui. Mais tu sais quoi? J'ai prié tout le temps que cette fille fasse partie de ma famille. Comment? Ma belle fille. Oui. Bien sûr que j'aime les bonnes choses. Maman avec les prières. Toujours prière, oh, prière, prière. C'est terrible. Maman, Agambola m'a dit qu'elle a rejeté les demandes des 10 hommes. 10 hommes qui voulaient l'épouser. Maman, honnêtement, je ne sais pas si Akadji aura des chances. En tout cas. Tu as commencé. Tu veux commencer? Maman. Pourquoi tu es toujours pessimiste? Change ton langage. Maman. Change-le. Parce que moi, je vois déjà cette fille devenir membre de ma famille. Alors, ne dis pas ce genre de choses. Ah. Hey, maman. Maman, tu vas me tuer. Oh, oui. Maman, j'aurais vraiment souhaité rencontrer quelqu'un comme elle. Tu recommences. Samuel, tu commences encore. Tu ne peux pas parler sans pour autant mentionner son nom. Hein? Tu es en train de me déranger. Tu me mets dans la confusion. Maman, je suis en train de prier à Dieu. Dieu, s'il te plaît, donne-lui un enfant comme ça, on la laissera tranquille. Orginini. Allez, pardon, s'il te plaît. C'est fini. Quand tu vas aux toilettes, ta femme. Quand tu sors des toilettes, ta femme. Quand tu vas au garage, c'est quoi? Maman, ça va. Ne t'énerve pas. Tu m'as déjà énervé. Tu m'as énervé. Maman. Ah. J'ai été émue de la nouvelle que tu m'as apportée. Maintenant, tu as gâché ma joie. Allez, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Papa, rien. Maman, s'il te plaît. Allez, pas. Juste maman. Pas. Maman. Allez, papa. Maman ni maman. Papa ni papa. Maman ni maman. Maman, ne te fâche pas.
fais de trop. Ah. Samuel, tu te plains à tout moment. Hein, tu devrais être une femme. Maman, j'ai fait un rêve terrible. C'est la malaria. Maman, c'est pas la malaria. Imagine un peu, j'ai vu Chinere dans la rivière des Nougos. Nounié, certainement quelque chose qui ne va pas avec toi. Je vois que tu es vraiment instable. Tu perds ta tête. Maman, je suis sérieuse. Il y a des gens qui apparaissent dans mes rêves ces derniers temps. Crois-moi. Croire en quoi? Croire en quoi, Nounié? Pourquoi tu ne peux pas rêver que tu es en train de prier à te donner un homme? Oui, tu es occupé des rêves. De rêves des gens qui viennent de part et d'autre de la rivière. Dans l'entretemps, il n'y a aucun homme qui vient ici demander ta main en mariage. Maman, tu ne peux pas en arriver là. Maman, ne parle pas de mariage, s'il te plaît. Pourquoi tu te manques de moi? Tu sais quoi? Je ne vais plus en parler. Je ne voyais pas leur visage depuis tout ce temps. Mais tu sais quoi? J'ai vu clairement. C'est pour ça que je me suis réveillée en sursaut. Je les ai vues. Elles sont effrayantes. Nounié. Nounié! Que ce soit la dernière fois que tu rêves de ces gens. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Qu'est-ce que tu me racontes ces bêtises qui viennent de ta bouche? Le problème que tu as maintenant, c'est le mariage. Tu as mis ces problèmes de côté pour rêver je ne sais pas moi de quoi. Rêve de ton mariage! Prie Dieu de te donner le mariage et arrête de rêver des gens qui sortent de rivière, ça et là. Si je l'entends encore! Qu'est-ce que j'ai dit? Si je l'entends encore, je ne vais pas me contenter seulement de t'asphyxier, mais je vais te tuer. On ne peut quand même pas en arriver là. T'inquiète. Je ne pensais que t'aies relaté mon rêve. Mais pourquoi tu me fais ça, maman? Pourquoi tu me traites comme ça? Tout ce qui concerne Chinere t'intrigue comme si elle était ta fille. Oui! Oui! Oui, c'est parce que Chinere s'est trouvé un homme. Toi, Mbano, tu es là seulement pour manger ma abo, ma affonnement. Pour que ça, tu vises c'est la maison de mon père. Et je suis ta fille. Traite-moi comme ta fille, maman. Tu as dit que ça, c'est la maison de ton père. Répète ça maman, encore. Attends, j'ai une question. Pourquoi tu me pousses à me marier? Hein? Pourquoi tu me forces à me marier? Tout ça, c'est parce que tu veux ramener dans cette maison tes différentes filles, provenant de je ne sais quelle famille, avec leurs différents esprits, pour qu'ils viennent s'aimer la pagaille dans cette famille et nous diviser. Hein? Et toi, qui est une bonne fille? Tu es toujours ici, en train de constituer des mensonges malléables. Tu partiras d'ici. Je ne vais plus te voir encore dans cette maison. Oh. Si tu veux mourir, meurs. Ah, mon frère, c'est difficile. Oh. C'est vraiment difficile. Parce que même si elle accepte de t'épouser, es-tu sûr que sa famille va t'accepter? Non, ce n'est pas un problème.
là où je suis, je ne cesse de prier pour ça. Et je sens que mes prières font déjà effet. Ne t'en fais pas, mon frère, tout ira très bien. Mais cette fille que tu comptes épouser, comment es-tu sûr qu'elle n'a pas changé? Je le verrai par moi-même, mon frère. Parce que certains changements sont confidentiels. Je sais qu'elle ne changera pas. Mais je sais que c'est sa grand-mère qui l'a initiée dans tout ça. Tu sais, sa grand-mère au village, là, on ne peut pas la laisser comme ça. Mon grand frère, je pense qu'il faudrait que tu viennes l'admirer toi-même, oui. Pour que tu saches les genres de femmes qu'elle fera. C'est comme ça que ça doit être. Dis-moi un peu, est-ce qu'elle est à la maison? Oui, grand frère. Très bien, je ferai de mon mieux pour être là. Ouais. Le changement est confidentiel. Je sais qu'elle doit sûrement avoir changé. Mais je sais que l'entraînement qu'elle a eu chez sa grand-mère ne pourra pas la quitter si facilement, je te dis. Grand frère, écoute. Je te conseille toujours de venir l'admirer toi-même pour que tu saches les genres de femmes qu'elle fera. C'est mais la moindre des choses. Et si jamais elle se marie avant que je ne rentre? Hein? Dis-moi, si elle se marie avant que je ne rentre, moi. Si tu n'es plus apte à continuer, tu n'as qu'à me dire. Comme ça, je vais arrêter les démarches et récupérer mon argent rapidement, ok? Ah, grand frère, nous n'en sommes pas jusqu'à ces points, non? Tu t'es énervé. Non, grand frère, nous n'en sommes pas encore là. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir afin de la convaincre pour toi. C'est d'accord. Comme ça, je t'enverrai encore un peu d'argent ce soir. Hey. Mais s'il te plaît, rassure-toi que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour l'avoir pour moi. C'est compris? Oui, monsieur. C'est parfait, c'est parfait. Oui, je ferai tel que tu m'as dit. Je prie que ça marche bien. Et surtout, ne dis même pas que tu espères que ça va marcher parce que ça va marcher et ça va rester ainsi, ok? Oui, monsieur. Ça marchera, monsieur. Très bien, c'est parfait. D'accord, grand frère. Merci beaucoup. Maman, à quoi tu veux que je puisse payer la dose de chinéré de sa part? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère? C'est quel genre de mariage comme ça? Ah, exactement, maman, exactement. Je lui ai presque tout dit. Essayant de lui faire comprendre qu'il doit venir ici. Mais tu sais ce qu'il me raconte. Il me dit qu'il ne veut pas qu'un homme vienne épouser le nom de la fille en conséquence, chinéré, avant son retour. Je crois qu'il a fait un point important. Mais j'aimerais qu'il vienne voir cette fille en premier. Comme ça, ils auront le temps de se mettre d'accord tous les deux avant le mariage. Non, c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais moi, si je le dis, je ferai ce qu'il a dit. Oh. Mais je veux que tu l'appelles et que tu puisses un peu le raisonner. Tu connais bien le comportement d'Akachi. Je sais ce que je dis. Oh. Je sais ce que je dis. À part ça, je sais ce que je vis dans ma maison maintenant. J'ai fréquenté ma femme quelques temps avant notre mariage. Samuel, est-ce que tu dois tout le temps chanter sans pour autant mentionner ta femme et son incapacité de te donner un enfant? Hein? Tu as déjà assez parlé de ces problèmes. La façon dont tu parles de l'incapacité de ta femme de te donner un enfant est devenue de trop. Ce n'est ni de sa faute, ni de toi. Il n'y a pas un problème familial derrière ça, mais je ne sais pas pourquoi tu continues de la blâmer. Samuel. Maman. Je veux parler avec ton frère. Tu ferais mieux de lui parler, oh. Tu ferais mieux de lui parler. Parle-lui, maman. Pourquoi tu veux prendre seulement ce que moi j'ai choisi? Hein? Maman. Mais je ne savais pas que tu allais prendre ça. Maman. Je te veux à manger mais autant. Mais où est-ce que tu as acheté ça? Tu n'as qu'à aller au marché. Tu n'as qu'à faire un soin. Maman? Hein? Mais voilà. Bah non. Ce n'est pas ça dont elle a besoin à cet âge. Ce qui est important maintenant, c'est le vin de palme de Kego. Ah, Oncle Chiki m'avait dit qu'il va en acheter. C'est ça qu'il m'a dit. Hein? Samuel. Maman, j'ai un mauvais pressentiment pour cette famille. Mais tu l'as fermée. Ferme cette ouverture que tu as sur toi que tu appelles la bouche. Ferme-la. Combien de fois t'ai-je interdit de parler de ces bêtises? Mon esprit n'est pas tranquille depuis que j'avais fait ces rêves. Et qu'est-ce que tu as vu? Je pense
que cette famille a une liaison avec les esprits des fous. Hey, hey, hey. Silence. Ferme-la. Tu as de la chance, je t'aurais cassé une dent. Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ne peux-tu pas rester calme? Hein? Combien de fois t'ai-je interdit de ne pas raconter des bêtises? Avertis-la. Avertis-la, oh. Maman, je t'ai entendu. Ces choses ne doivent pas arriver aux oreilles des gens. Je t'ai entendu, maman. Je ne sais pas pourquoi elle dit tout ça, mais je ne pense pas que c'est vrai. Après tout, on n'a jamais entendu rien de tel dans cette famille. À part le fait que la mère de Chinere s'est noyée dans... Maman, c'était encore quelle rivière? Pourquoi tu me demandes? Tu m'as vu dans la rivière quand elle s'est noyée. Pourquoi tu me demandes? Ok, maman, je t'ai entendu. Et plusieurs années plus tard, son père est décédé dans une explosion de bombe à Lagos. Et vous ne trouvez pas que... Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Toutes ces choses ne sont que des circonstances très naturelles. Tu ne dois pas t'inquiéter là-dessus. Non, nié. Hey! Non, nié. Non, nié. Ok, maman. Hé! Hey! C'est quoi? Maman. Qu'est-ce qu'il y a avec maman? C'est quoi, maman? Tu as planifié de manger ça, hein? Je n'aime pas ce que tu fais. Je dois arrêter avec ça. Vous devez essayer de penser à propos de ses rêves. Hé, hé, hé! Maman. Maman, je dois m'en aller. Je... Allez, arrête, ne sois pas pressée. C'est quoi ça? Tu vois cette fille qui est à mes côtés? Hein? Elle a un problème. Je crois qu'elle souffre de la malaria. Oh non, tu peux le voir dans ses yeux. Cette fille a un problème. Alors ce que tu dois faire pour moi, c'est de trouver un psychiatre pour qu'il trouve une solution à ses problèmes. Parce que si tu oses encore ouvrir ta bouche pour dire quoi que ce soit, je vais te frapper avec cette babouche. C'est bon, maman. Dieu m'utilise pour vous faire des révélations concernant cette famille. Non, non, mais vous refusez d'écouter. De quel okay. Dieu parles-tu? Réponds-moi, les rêveurs. Ok. Maman, je dois m'en aller maintenant. Tu sais que oncle Chike m'attend. Tu peux partir. Je m'attendais à une bonne nouvelle. Tu es en train de regarder maman. À mon assiette. Hé, hey, remets les safou qui est entre tes mains. Dépose ça ici. Maman. Dépose ces safou. Maman. Oh. Ah, t'inquiète. Ah non, maman. Maman, arrête. Ok, tu vas maintenant me corrompre, hein. Tu ne vas plus rêver, d'accord? Ah. Plus question de rêve, hein. Quoi? Allez, ne prends pas le maman, mien. Mais ça, c'est prends à l'autre. Moi. Allez, va-t'en. Merci énormément. Où est l'oncle? Il arrive, c'est sûr qu'il parle avec la grand-mère. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tinere. Merci. Merci énormément. J'ai beaucoup apprécié. Tu sais, c'est censé être en privé. C'est pourquoi je te les donne ici. Pour moi? Ouais, tu peux l'ouvrir. Un téléphone! Oh mon Dieu! Merci! Merci énormément! Je t'en prie. Merci! Je t'en prie. Merci. Tu sais, mon frère Akachi m'a donné de te donner ce téléphone spécifiquement pour que tu parles avec lui via des appels vidéo. Oh merci, je suis impatiente de l'appeler. Dès que je vais placer la SIM, je vais l'appeler. Je vais les montrer à maman, ma grand-mère. Pour moi encore? Oui, il m'a demandé de te donner ça. C'est pour toi. Merci beaucoup, merci. Oui, oui. Ok, ça merci. Pourrait t'aider à acheter merci. La connexion, comme ça tu pourras parler avec lui à travers l'Internet. Merci, je vais le montrer à ma grand-mère. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, on va montrer à ta mère. Oui. C'est bien, on va montrer à ta merci. Mère. Merci. Chichi. Samuel. Oncle. Tu veux dire que Akachi a envoyé toutes ces choses? Cet argent, le téléphone et tout, à une femme qu'il n'a pas encore épousée? Oncle. Non, écoute, je suis juste en train de demander, hein. Je demande juste. Oui, oncle, ce n'est pas aussi grave. Dieu a vraiment béni Akachi et je suis très heureux pour lui. Oui, je suis également content oncle. Pour lui. Oui, je suis content pour lui. Hey. Il a bien fait. Oui, oncle. Et, dis à Akachi. Qui devrait rentrer chez lui, construire un immeuble, en tout cas une très bonne maison.
juste pour prouver que sa richesse nous a suivis jusqu'ici. Oui, chez nous, on dit que pour mieux avancer, il faut se souvenir de l'où on vient. Oh, vraiment? Lorsque la richesse d'un homme rentre à la maison, c'est à ce moment-là que tu comprends en réalité que cet homme est riche. L'argent doit faire le bonheur des siens. Dis-lui de venir construire une très bonne structure ici à la maison chez lui. Ok, oncle, je lui dirai. Mais il a déjà construit une maison à la cité. Il m'a aussi fait part de ses intentions de venir construire quelque chose de grand ici au village. Ok, Akachi a une maison déjà à la cité. Hein. Oh, je suis content. Ça, c'est moi, bien. Je suis content pour lui. Oh. Oh, c'est vraiment très bien pour lui. Wow. On ne peut que s'en réjouir. Est-ce qu'on peut... Nous ne sommes pas censés leur dire là où nous allons. Oui, hein? C'est vrai, juste c'est vrai. Allons-y. Ils peuvent nous suivre, c'est pas oui, grave. Oui, tu as raison. Nonier, tout ça c'est à cause de ce que je t'ai dit. Je suis désolée. C'est pas la première fois. C'est pas qu'une fois. Tu me l'as dit tout le jour. Parce que personne ne vient demander ma main en mariage. Mais tu sais que c'est pas de ma faute. Veux-tu que j'aille là-bas dehors et que je force un homme pour qu'il vienne m'épouser? C'est ce que tu veux? Non. Non. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Je suis ta mère. Quand les choses ne vont pas bien, je suis celle qui doit te les dire pour que tout soit ajusté. Tu ne m'as jamais soutenue dans quoi que ce soit. Même quand je dis des choses raisonnables, tu me fais sentir comme si j'étais une folle. Oui, parce que dans cette affaire, je ne vais pas te soutenir. Je ne vais pas te soutenir quand tu t'opposes à la personne que ton frère veut épouser. À la place d'être autant jalouse, je veux que tu utilises ces deux genoux pour prier Dieu de te donner un homme. Moi, jalouse? Oui. Maman. Maman, je ne suis pas contre eux. Je ne suis pas jalouse parce que mon frère veut marier Tinéré. Non, je ne suis pas. Tu ne comprends pas cela, maman. Tu ne comprends pas. Je vois des choses horribles, je vois des choses effrayantes toujours dans mes rêves. Hey! Mais Tchiolou, Malaria, partons de haut en bas, d'en bas en haut, de la tête aux pieds. Oui, depuis que j'étais mise au monde, tu as toujours eu peur. Tu as toujours eu peur de choses. Je me demande si tu n'es pas en train de me voir en double. Oui, tu as toujours eu peur. Pourquoi cette fille est à ces moments? Dis-moi. C'est pourquoi je ne vais pas te soutenir. Parce que tu as toujours vu des choses effrayantes. Oh, pas de problème. Tout ce qui concerne Chinere et mon frère, je ne veux plus du tout me mêler de ça. Je lave mes mains. Je ne veux plus m'impliquer. Tout ce qui peut leur arriver, tu ferais mieux d'en être responsable, maman. C'est ton problème. Mais je t'en supplie. Pour l'amour du Christ, maman, je t'en prie. Je t'en conjure. Essaie de comprendre ce que j'essaie de te dire. Je t'en prie, maman. Arrête de me rappeler que je ne suis pas mariée. Je t'en prie, maman. Arrête de me blesser tous les jours. Je veux continuer à te rappeler. Oui, c'est parce que tu deviens insupportable pour moi. Ezoku Kanage. Tu es devenu insupportable. Il y a deux choses. Puisque tu ne peux prier à Dieu de te donner un homme, tu seras à vendre. Vends-moi, maman. Que je te vende. Oui, vends-moi. Ok, attends. Laisse-moi trouver un homme qui peut t'acheter. Vends-moi, maman! Tu ne me traites pas comme ta fille, maman! Tu me traites comme une esclave! Qu'est-ce que je t'ai fait, maman? Juste parce que je suis mariée. Vas-y, Tonton Nonier, bonjour. N'essaie plus jamais dans ta chaîne de vie citer mon nom. Tu m'as compris? Et laisse-moi t'avertir pour la première et la dernière fois. Tu vois, tous vos plans maléfiques de ta grand-mère et toi contre ma famille ne vont pas marcher. Ça sera consumé par le feu. Ça va pas marcher. Mais pourquoi est-ce que tu... Et toi? J'ai pas fini.
Vous serez consumé par le fait, toi et ta grand-mère. Vos plans ne vont pas marcher. Pas du tout. Jamais de la vie. Pourquoi tu me parles comme ça? T'ai-je vraiment offensé? Ok, si je l'ai fait, pardonne-moi. T'es désolée. Je t'en prie. Ne me donne pas cet air innocent. Croqueuse de diamants. Tu crois que je te connais pas? Moi? Moi? Tu m'as traité d'une profiteuse? Mais qu'est-ce que j'ai croqué? Tu es une croqueuse, une profiteuse. Quand mon frère s'est baladé dans le village sans un sou, tu l'avais pas remarqué. Maintenant qu'il est parti à l'étranger, il s'est fait de l'argent. Il est devenu riche. Toi et ta grand-mère, vous vous complotez pour récolter ce que vous n'avez pas semé, n'est-ce pas? Ça va pas marcher. Ça va vous rester dans la gorge, ça va pas descendre. Tu essaies de pleurer? T'es grâce! Épargne-moi ces larmes de crocodile. Qui aura pitié de toi? Moi? Allez, dégage de là! Dégage, fais-moi passer! Idiote! Tante, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Pardon, je suis venue voir maman. Est-ce qu'elle est là? Ma mère n'est pas là. Allez, dégage. Va-t'en! Oh, maman. Bon après-midi, maman. Tu m'aimes. Maman. Comment tu vas? Bien, maman. Bon après-midi. Bon après-midi, ma chère. Comment va ta grand-mère? Elle va bien. Maman, comment vous allez? Je vais très bien. Oui, ça va. Ok. Tu m'aimes. Maman. Tu n'as pas l'air tranquille. C'est quoi le problème? Qui t'a offensé? Tignere, parle-moi. Maman, c'est la grande sœur Noye. Elle m'a traitée d'une croqueuse d'or. Et elle m'a dit de ne pas accepter d'épouser son frère Akachi. C'est Noye qui t'a dit tout ça? Oui, maman. Maman, s'il te plaît. Maman, je suis là pour que vous lui dites de me pardonner. Si je l'ai offensée, qu'elle me pardonne, maman. Je vous en prie. Vous savez que je l'aime. Si me marier à Akachi va me créer des ennemis, alors... Hé! Ne le dis pas. Ne le répète pas, oh. Garde juste ta bouche fermée. Et Nadu Komeno, n'ose plus jamais arriver à ce point. Tu sais combien de temps j'ai commencé à t'admirer? Hein? C'était ma prière. Que tu deviennes ma belle-fille. N'entends pas ce qu'elle te dit. Hein? Oui, maman. T'inquiète, je ferai rapport à son frère. Non, maman, pardon. 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 Je ne veux pas qu'elle ait un problème avec son frère, maman. Je vous en prie. Pardon. Je veux juste que vous parliez avec elle. Si je lui ai fait quelque chose de mal, je suis prête à lui demander pardon, maman. Ok, c'est bon. Ne te préoccupe pas de ce qu'elle te dit. Ok, maman. Ne t'occupe pas d'elle. Est-ce que tu m'entends? Hein? Garde ton calme, hein? Merci, maman. Sois calme. D'accord. Hein? Ne répète plus ça. D'accord, allez, regarde-moi. Maman. Ouais. Ne les dis plus. Merci. Il ne faut plus le répéter. Merci, maman. Tu peux t'en aller. Mais c'est attention à ta grand-mère. D'accord, merci, hein? Maman. Je ne manquerai pas. Bye. Bye. Yeah. Omema na rekele dima. Omema na rekele. Omema na rekele. Reviens ici. Noye. Noye, tu es en train de fuir.
reviens ici. Tu fouilles, c'est ce que tu as fait. Noni, viens ici. Allez, viens, reste ici. Reste fixe, ne bouge pas. Allez, Noni. Non, 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 non. Désolée. Tu es désolée. Noni, j'ai été avertie à maintes reprises de ne pas ouvrir ta bouche pour dire quoi que ce soit à cette fille. Oh, Noni, tu es allée l'insulter, dire que c'est une croqueuse d'or. Pourquoi? Maman, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Je ne veux plus l'avoir chez nous. Je ne l'aime pas. Mon esprit ne l'aime pas. Noni, tu n'as pas besoin de l'apprécier. Bah, non, tu n'en as pas besoin. Oui, tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi qu'elle se marie. Toi non plus, tu ne te maries pas à elle. Mais mon frère veut l'épouser. Et ça ne se passera pas. Noni, peux-tu fermer ta bouche? Ferme-la. Puisqu'elle est la femme de ton frère et non pas la tienne, alors ouvre tes oreilles et écoute-moi bien. Après toutes ces années, juste imagine, imagine après toutes ces années, tu attends un homme pour venir te prendre en mariage et finalement tu en trouves un qui veut t'épouser. Et ça c'est bien, tu sais quoi? Et puis après un temps, il vient et dit qu'il ne veut plus te voir. Comment tu vas te sentir? Sans effet, ça ne va pas m'arriver. Dieu ne permettra pas cela. Maman, j'ai fait un rêve horrible. Elle est fermée. Ferme ta bouche. Noni, regarde-toi. Regarde-toi, après toutes ces années, tu n'as aucun homme. Tu n'as pas un homme. Tu n'as toujours pas un homme. Imagine maintenant que la sœur de ton fiancé vient et commence à dire qu'elle ne veut pas que tu épouses son frère. Tu vois, toi, tu es une folle. Maman, je suis ta fille. Et alors? Maman, je fais partie de cette famille et tu es en train de me maudire. Je ne suis pas en train de te maudire. Va te trouver un homme qui va t'épouser. Suis-je clair? Tu deviens insupportable. Maman, c'est pas juste. C'est juste. C'est juste. C'est pas juste, maman. C'est pas juste, maman. C'est pas juste. Non. C'est injuste. Ce n'est pas juste. Merci maman. Tu ignorais. Je suis tellement contente. Laisse-moi ouvrir la porte pour toi, tu peux entrer. Oh mon Dieu. Tigné, ne me fais pas ça. Tigné, lève-toi. Tigné, réveille-toi. Lève-toi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment est-elle tombée? Tigné, réveille-toi. Qu'est-ce que tu attends? Va appeler sa famille, fais vite. Cours. Dépêche-toi, tu me regardes. Ok. Allez, cours, vite. Okay. Tu ne me fais pas ça. Tigné, s'il te plaît, arrête. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Nous ne sommes qu'au premier jour. Tigné, tu n'as pas consommé ton mariage. Tigné, mon Dieu. On est Kagwa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne comprends rien. Vous avez voulu que nous puissions arriver ici pour que tout ceci arrive. Qu'est-ce qui se passe, Nain? Ce n'est pas un problème. Je l'emmène chez moi. Vraiment? Non, oncle. Emmène-la à l'hôpital. S'il te plaît, à l'hôpital. Il n'y a aucun problème. Sa grand-mère est au courant de ça. Alors, emmenons-la chez sa grand-mère avant quoi que ce soit. Ok. Oui. Emmenons-la chez elle. Oui. Allez. Oui, allons-y. Relève-la. Ramenons-la chez elle. Oya. Tell me who I am. Oh, I'm a dreaming. Hey, oh, I'm insane. Cause my head is joker. Strange things are happening. Oh, this is an illusion. Hey, can somebody help me? If love is a crime. If love is so beautiful, why all this pain? Oh, why all this pain?
ma grand-mère. Je ne sais pas vraiment expliquer ce qui m'est arrivé. Lorsque j'étais sortie de la voiture, je ne me sentais pas vraiment bien. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Rien de mal ne t'arrivera. Rien de mal ne t'arrivera. Non, pas pendant que je suis vivante. Non, non. Ah. Ça n'arrivera pas aussi longtemps que je serai à tes côtés. T'inquiète, je vais m'occuper de ça. Grand-mère, s'il te plaît, qui veux-tu dire par là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je t'ai préparé pour ce jour. Est-ce que tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée quand tu étais encore plus jeune? S'il te plaît, rappelle-moi. Donne-moi juste quelques minutes. J'arrive. Samuel. Maman. Hey! Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il s'est passé. Je suis autant confuse comme toi. Je ne sais rien dire pour l'instant. Je ne comprends rien. Maman? Comment il va? Nonié? Maman? Nonié? Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu connais quelque chose dans ce qui est arrivé à Chimoro? C'est hey! Dit? Ha! Oh! Maman, mais c'est quoi ce genre de questions? Mais qu'est-ce qu'elle a? Nonié! 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 Maman! Ah! Ah! Regarde-moi. Je te demande encore pour la dernière fois. Qu'est-ce que tu connais de tout ce qui est arrivé à Chimoré, maintenant? Suis-je la cause de son problème? C'en est vraiment de trop! C'est toujours Nonié, Nonié, Nonié! Qu'est-ce que je fais? Arrête-moi ça, Samuel! Arrête! Arrête-toi là! Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Suis-je une esclave vraiment? Ou quoi? C'est toujours tu n'irais pas ci, tu n'irais pas là! Maman, je n'aime pas ça! Je n'aime pas ça, arrête! Allez, viens ici! Qu'est-ce qui te prend? Tu me prends? Aïe! Tu me prends pour ton ami? Oh, maman, arrête-toi! Lâche-moi! Je suis devenue ton ami! Pourquoi peux-tu me crier sur moi? Non, non, arrête, ça veut dire quoi? Ça, maman. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Allez! Elle n'a plus de respect envers moi, cette fille! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, maman? Pourquoi tu me maltraites? Juste à cause de cette folle itinérée? Maman, maman, arrête! Ne dis pas, maman! Ne dis pas, maman! Laisse-moi en finir avec elle! C'est pourquoi elle n'arrive pas à se marier! Et où? Idiote! Nonsense! Essaie de revenir encore ici! Arrête, maman, ça va. Si le monsieur A vient, tu refuses. Monsieur B, tu refuses. Monsieur C, tu refuses. Maman, ça ok, tu veux pas te marier, je vais te vendre. Oh, d'ailleurs, faut quand même te vendre. Je vais aller t'offrir au sanctuaire pour le rituel. C'est la route de Yézélabo. Oui, c'est la route de Yézélabo. Né, quand j'étais enfant, tu m'interdisais de venir ici. Tu me disais que j'allais mourir. Et j'entendais les gens dire que c'est la rivière des dieux. Oui, c'est la rivière de Dieu. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Mais tu ne me l'avais jamais dit. Mais tu sais, c'est pourquoi tu étais tombée. Tu sais, quelques années avant ta naissance, il y avait une alliance de mariage entre toi et la reine-mère. Ah, oui. Ça s'est passé avant. Je n'arrive pas à comprendre. Je vais te l'expliquer. Tu sais, quand ta mère portait encore ta grossesse, elle était attaquée par un mauvais esprit. Et puis elle a commencé à saigner. Et je savais que elle allait perdre ses bébés, qui tu es, si je ne fais rien. C'est alors qu'elle commençait à rester avec mon village. Et ton père était resté loin à la cité. Elle avait fait tout de son mieux pour l'atteindre, mais c'était impossible. C'est alors que je m'étais décidé de trouver une aide conventionnelle.
ta fille. Il a été révélé qu'elle va perdre le bébé qu'elle a dans le ventre. Le bébé est encore là. C'est une fille. Si je t'aide, tu dois gérer que cet enfant me sera dédié à sa naissance. Je vous la ramènerai, mais s'il vous plaît, je souhaite que ça soit après son mariage. Comment oses-tu, fille des eaux, me donner des conditions? Pardonne mon ignorance. Reine mère, je ne suis qu'en train de vous demander une faveur. Je veux avoir mes petits-fils. S'il vous plaît, permets-la de se marier. Après quoi, je vais vous la ramener. S'il vous plaît. Ori, si tel est le cas, je ferai une alliance avec l'enfant. Une fois qu'elle sera mariée, amène-la moi. Je le ferai, reine mère. Encore une chose. Tu dois respecter ta promesse. Que ça se passe comme tu viens de le dire. Je tiendrai à ma promesse, reine mère. Je te crois sur parole. Et j'espère que tu ne me décevras pas. Je ne ferai pas le contraire, reine mère. Tu peux partir, Ori. Tu dois tenir à tes paroles. Merci, reine mère. Si je n'avais pas fait ça, tu allais mourir. Alors, après que ta mère t'ait mise au monde, ça n'avait pas fait beaucoup de temps, tes parents étaient morts. Je crois qu'ils sont morts de la solitude et bien de ton absence. Et c'est la raison pour laquelle tu étais tombée dans la maison de ton mari. Pardon. Ça veut dire que je veux rester là-bas, je ne veux plus rentrer à la maison. Non, non, bien sûr. Je veux rester avec ta grand-mère. Tu reviendras à la maison. Tu peux le servir dans quelle porte au coin du monde que tu voudras. Elle va te donner le pouvoir. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de les servir. Pour le reste, ce n'est pas ton problème. Et je crois qu'elle ne va pas accepter que je rencontre mon mari. Bien sûr qu'elle ne le fera pas. Avant d'entamer le sujet de mariage avec toi, je l'avais déjà consultée. Elle avait promis de te mettre dans un foyer très stable où tu ne manqueras de rien et tu seras très confortable. Allez, t'inquiète, ça va aller. Abombini, Eken. Grand-mère, c'est quel genre de salutation? Tu n'es plus celle que tu étais auparavant. Tu es maintenant une personne extraordinaire. Aspirant en une position honorable. Grand-mère, pardon. Je dois être quelque part. Je vais te voir à mon retour. Tu n'as pas besoin de demander une quelconque permission pour y aller. C'est ta destinée. Ton temps est arrivé. Merci beaucoup. Calme, maman. Ça va aller.
Aidez-vous. Mais c'est quoi au juste? Mais je ne comprends pas. Aidez-vous. Nounié, Nounié. Maman, maman, sois forte. Désolé, nous sommes désolés. Nounié, mon pied. Nounié, je m'en... Est-ce que tu étais allé chez lui? Oui, il a dit qu'il venait. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore venu. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'en peux plus, Nounié. Oncle, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Maman est juste sortie comme ça et puis elle est tombée. Mais qu'est-ce qui se passe? Agnès, il y a quoi? J'ai sorti juste de la maison. Nounié, j'ai sorti juste de la maison. Quand je suis arrivée dehors, directement, j'ai senti une douleur atroce au pied. Calme-toi et... Calme-toi, ça ira. Dis-moi, où est-ce que cela est arrivé? Là. Ici. Juste là-bas, devant. Devant la maison. Hey! Ça doit être un sort. Un sort? Oncle? Mais qui l'a jeté? On ne doit pas perdre le temps. Allons vite auprès de... d'un tradit praticien. Non, non, je viens d'appeler un taxi. Le chauffeur sera bientôt là. Samuel, qu'est-ce qu'un taxi a à voir avec Maman. Un tradit praticien? Comment puis-je me déplacer avec elle comme ça? Hein? L'hôpital est très loin d'ici. Samuel, mais je crois que tu as dit que tu as déjà appelé un taxi. Je l'ai fait. Alors, Maman, c'est quoi les rapports entre Maman, les taxis et ce qu'on voit là? Maman, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'irais. Les hommes méchants veulent tuer ta belle-mère. Oh. Les gens sont mauvais. Ce monde est très méchant. Les gens sont vraiment méchants. Ce monde est méchant. Maman, désolé. Allons voir un tradit praticien. Samuel, les gens sont méchants. Mazetchikelo, qu'est-ce que cette femme t'a vraiment fait? Hein? Tu m'as très bien entendu. Qu'est-ce que cette famille t'a fait pour que tu décides vraiment qu'elle ne soit jamais en paix? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Avez-vous entendu cela? Regardez. Regardez-moi cette chose. Hein? Cette petite fille d'hier que j'ai aidée. J'ai personnellement soutenu mon neveu pour qu'il t'épouse toi. Donc tu es venu ici, tu as juré que tu vas détruire notre famille. Écoute-moi, si c'est ça ta mission, tu ne vas pas réussir. Jamais. Non. Je te dis, si c'est ta mission, tu ne vas jamais réussir. Je le disais, et personne ne voulait m'écouter. Ça ne fait que 4 jours. Mais elle a déjà commencé avec son plan. Noé, cet homme que tu vois ici est la raison pour laquelle tu ne te maries pas. Hein? Écoutez-moi, c'est sottise. C'est comme si tu as perdu la tête. Mon rêve commence à se réaliser. Non, c'est quoi ce genre d'accusation? Tu ne veux-tu te taire? Hein? Qu'est-ce qui te prend? Imagine. Pourquoi dire ça de l'oncle? C'est lui la raison pour laquelle je suis encore en vie. Dis-lui. Et c'est lui qui se bat pour cette famille depuis la mort de Elle mon père. Pas. Qu'est-ce qui te prend? Mon rêve est devenu réel. Je sais que vous n'allez jamais me croire. Mais étant donné que je suis de cette famille maintenant, toutes les manipulations doivent prendre fin. Tu es devenue folle. Ta tête ne fonctionne plus. C'est si clair, n'est-ce pas? Tu es devenue folle. Où est-ce que tu vas? Reviens ici, non? Où est-ce qu'elle va? Maman, ça va aller. Maman, désolé, hein? Désolé. Écoutez, allons voir un tradit praticien. Mais non, il devait être là. Il m'avait dit qu'il allait être là. Je pense qu'il vient. Il devait être là. Et tu es sûr que tu l'avais appelé? Désolé, maman. Je sais pourquoi je vous dis ça. Arrête les trucs des féticheurs, non? Non.
il n'est pas encore là. J'ai fait un effort. Tu as dit que tu as déjà appelé un taxi. Mais maman, nous sommes toujours là. Désolée. Hein? Je suis là, maman, je suis là. Désolée. Maman, désolée. Désolée, maman. Chine. Pardon. Sois prudente. Désolée. Je ne fais pas plus mal. Désolée. Ok. Oui. Ça va aller. Chine. Maman. La douleur est partie. Maman, je n'ai plus de douleur. Je me sens mieux. Maman, je n'ai plus mal. Oncle, installe-toi. Désolée. Maman, Tignere, Samuel. Maman, je suis là, je suis en vie, je ne suis pas morte. Tu n'as plus de douleur? La douleur est partie. Oui. Hey, tu n'as plus de douleur? Oncle, Tignere. Oncle, Mazi Chikelo. Es-tu prêt à confesser? Et moi, je te demande si tu es prête à fermer cette sale bouche. As-tu perdu? Es-tu folle? Non, es-tu folle? Si tu oses encore citer mon nom, tu vas te blesser sur tes lèvres là. Ta, dégage! Tu es folle, tu as perdu la tête. Oncle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, oncle? Tinere, qu'est-ce que tu as fait à mon oncle? Calme-toi, mon cher. Désolé, assieds-toi. Laisse-le parler. Hein? Fais attention. Ok. Parle. Je vais parler. Vas-y, parle. Oh oui, je vais parler, mais promettez-moi de me pardonner. On doit toujours se pardonner, mais je vais parler. Noé, qu'est-ce que tu viens de dire? En réalité, je ne me suis pas bien comporté. Je ne suis pas digne de cette famille. C'est moi qui suis derrière tous les malheurs, toutes les calamités. Et je suis même derrière la mort de mon frère. Quoi? J'avais créé un grand trou dans la poche de Samuel. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses à cette famille. Je suis aussi derrière les célibats des nonniers. J'ai juré qu'elle ne va jamais se marier pour le restant de sa vie. J'ai causé beaucoup de torts à cette famille. Mais nous nous sommes toujours promis que nous allons nous pardonner mutuellement. Peu importe la gravité. Qu'est-ce que pardon, tu es-tu? Tu vas mourir. Je suis désolé. Maman, lâche-moi. Arrête. Attends, sois calme. Oui, vous devez vous calmer. Les sorciers sont en train de faire sa confession. Alors apaise-toi. Hey! Hi! Mais belle, je lui ai jeté un sort pour qu'elle ne mette plus au monde. Hey! Je fais beaucoup de mauvaises choses. Oncle! Le problème de cette famille, c'est... J'en suis responsable. Qu'est-ce que tu attends? Tue-le! Vous m'aviez promis que vous allez me pardonner. Oncle! Attends, je ne sais pas comprendre ce que tu oncle. Entends dire. Nous devons nous pardonner. Tue-le! Tu as ce pouvoir, tue-le! Non, oncle! Non, attends! Attends! J'ai vraiment fait beaucoup de mauvaises choses. J'ai maudit mes belles. J'ai maudit mes belles. Je l'ai rendu stérile. Hey! J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Tu vas mourir! J'ai,
je suis votre oncle. S'il vous plaît, pardonnez à votre oncle. Mais c'est toi qui me donnais les médicaments à donner à ma femme. Tu m'as même promis de faire tout ce qui est humainement possible. Humainement possible, oncle, pour que je puisse porter un enfant. Oncle. En effet, Samuel. Tu vois, ces médicaments étaient juste pour compliquer les choses. Ce n'était pas pour guérir. Oncle. Non, ce n'était pas pour guérir. Oncle, tu as détruit ma vie. Je reste un oncle. T'es une espèce d'idiot. Je suis ton oncle. Complète ta confession. Maman? Oh. Ah. Depuis que tu as commencé à nettoyer, tu es vraiment une travailleuse. Hein? Oh, merci. Tu as aussi travaillé. Mais belle, tu as fait du merci. Bon boulot. Merci. Je devais prendre soin de tout ça. Tu vois que mon séchant est devenu très propre. Hein? C'est devenu tellement sale. Maman? Oh, belle, maman, as-tu vu ta nourriture? Oui, déjà. Oh. Ok. Allez, continue de balayer. Allez. Mais belle, tu as... Ndewono. Hé, Naye. Ndewono. Bienvenue, s'il te plaît, prends place. Bonjour, monsieur. Dalou. Monsieur. Comment ça va? Je vais bien, merci. Dimonie, j'espère que vous allez toutes bien. C'est comme tu vois, nous allons très bien. Et toi? Je vais bien. Oui, bien sûr que je pense sur ton visage. Oui. Mais belle. Monsieur. Ça, c'est pour toi. Oh. Ah. Voilà, je t'ai fait une soupe très spéciale. Merci énormément. C'est ce qu'on appelle autonoboule. C'est pour la tête. Merci, vous ne devez pas vous inquiéter pour moi. Oh, c'est mon devoir. Je continue toujours à t'accueillir dans notre famille. Je vais commencer à faire ça de temps à autre. Naye. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, c'est celle qui vient qui est privilégiée. Celle qui était déjà là sans oublier, c'est ça? Personne n'a oublié l'ancienne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu sais qu'avec les nouvelles, tu vois, il y a toujours un traitement spécial pour... Mais je ne t'ai pas oublié. Tiens, moi? Ça c'est pour toi. Tout ce qui est à l'intérieur est complètement pour toi. Naye. Tout ça pour moi? Oui. Je suis maintenant contente. Naye, merci beaucoup. Ça, c'est bien. Naye, merci beaucoup. Je t'en prie. Maman, ne me dis pas que tu es jalouse de moi. Non, je ne suis pas jalouse. Juste laisse-moi voir ce qu'on t'a amené. Non. Ça, c'est pour moi-même. T'inquiète. Cette viande que j'avais donnée à Mabel, c'était un échange. Un échange contre sa fécondité. Hey, oncle. Pour qu'elle n'arrive plus à concevoir. Naye, ce n'est pas toi qui as pris soin de moi et mes enfants. Je suis un oncle. Mon mari est mort. Complète ta confession. Quand j'avais appris que Akachi va rentrer au village, je m'étais aussi préparé pour en finir avec lui. Lui avec son frère. Mais... Tsukene, tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais le retour de mon fils. Jamais, oh, maman, dis-le, jamais. Dis-le. J'avais appris qu'il avait beaucoup d'argent, alors je m'étais préparé pour bloquer son argent. Et pour ton propre cas, Agnes. Lorsque tu dansais pendant le mariage traditionnel des Tuniaises, tu avais bien dansé. Mais j'étais mal à l'aise. Parce que j'étais tenté. Alors, j'ai... En effet, tu avais bien dansé, mais je ne pouvais pas te regarder danser et partir seulement comme ça. J'avais décidé de mettre fin à ta vie.
Maman, regarde le diable. Non, non, ne m'appelle pas comme ça. Je suis un oncle. Je suis un oncle. Non, non. Chicken, tu veux que je sois toujours dans le malheur? Je ne suis qu'un oncle. Et le seul que vous avez. Mazi, qu'est-ce que cette famille t'a fait? Quel est leur crime? C'est empêché d'avoir un oncle comme toi? Non, demande-lui, oh, demande-lui. Non. Ce qui s'était passé que... Lorsque mon défunt frère était malade... notre terrain familial était vendu. Nous devrions partager cet argent. Partiellement. Mais l'argent était utilisé pour le traiter et le reste de l'argent était donné à Samuel pour qu'il investisse dans ses affaires. Et moi, je n'étais pas du tout content. Je n'étais pas content. Vous voyez, ce n'était pas quand même juste. Je ne pouvais pas supplier pour ce qui me revenait de droit. Non mais dites-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait? C'était mon droit. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait tout ce que j'avais fait. Voilà. Oncle, tu es méchant. Non, je suis un oncle. Tu es très méchant. Je peux me mettre à genoux. Je suis le seul oncle qui vous reste. Vous devez me pardonner. Sérieusement. Je t'en prie, fais quelque chose, tue-le. Tue cet homme, j'en prie. Le faire mourir n'est pas une destinée pour moi. Est-ce ça ma destinée? Est-ce le destin de ma famille? Tue-le, qu'est-ce que tu attends? Non, dis-moi alors, si c'est ma destinée, comme ça je vais les tuer sur les champs. Laisse-moi les tringler. Est-ce que je peux me mettre à genoux? Pardonnez-moi, je suis un oncle. Et le seul qui vous reste... Arrête ça! Arrête ce que tu dis! Vous n'avez plus d'autre oncle. Je suis le seul oncle que vous avez. Tu sais que tu es mon mari. Tu as tout le droit de prendre soin de moi. C'est aussi mon devoir de me rassurer que j'ai conquéri ton cœur. Tu n'as pas à t'inquiéter, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Wayoma. Tu n'as pas à pleurer. Hey! Il ne va plus jamais vous toucher. Jamais! Jamais! Je dis jamais! Merci d'être venue dans nos vies. Maman. Noé ici va bientôt se marier. Ah! Je vous dis la vérité. C'est pas vrai! Oui. Et frère Samuel, ta femme va bientôt concevoir et va donner naissance à un très beau bébé. Vraiment? Hey! Réveille-moi! Bouge-moi! Vas-y, bouge-moi pour me réveiller! Je le fais! Tu es la bienvenue dans ma famille! Tu es la meilleure belle-fille! Maman! Maman, elle est la meilleure belle-fille! À ce niveau, hein? Grand frère Akati m'a instruit de te dire, toi, sa femme bien-aimée, que je dois aller avec toi paisiblement à la cité. Hein? Maman. Pourquoi tu dis ça? Maman. Je veux qu'elle reste ici avec moi. Maman. Oui. Pourquoi non? Pourquoi tu veux savoir? Akati m'a dit qu'il ne veut pas que sa femme reste au village. Sa femme doit aller vivre à la cité, dans sa maison, dans son manoir. Maman. Elle va rester ici avec moi. Oh, ouais. Encore une bonne nouvelle. C'est ça. On aura que des bonnes nouvelles. Une très bonne nouvelle. Oh, ma belle fille. Dis-moi. Maman. Et dis-moi, as-tu un pouvoir spirituel? On m'a appris que j'ai été appelée depuis que j'étais enfant. Et depuis ce jour... J'ai fait de mon mieux pour que je vive une vie droite. Oh. C'est très profond. Oui, je le savais. Je le savais. Mais comment, après tout ce temps, on n'a pas su que tu avais ces pouvoirs spirituels? Maman, mes rêves. Oui, avec toi. Noni veut me provoquer. Maman. Non, personne ne sera provoqué aujourd'hui.
Aka, tu vas l'emmener à la cité. N'est-ce pas? Tu n'irais. Je voudrais que tu passes encore un peu plus de temps ici. Maman, Akachi a dit que je puisse l'emmener à la cité. Il ne veut pas que sa femme continue de vivre ici au village. Vous savez quoi? Je vais la suivre à la cité. Ça veut dire quoi? Comment ça? Tu veux le suivre où? Où est-ce que tu veux aller avec elle? Maman, c'est fait. Comment c'est fait? Non. Trouve-toi aussi les tiens. Tu veux aller à la cité? Pour faire quoi? Maman. Pitié, ne commence pas avec ce sujet. Alors ne me provoque pas. Maman, s'il te plaît, je peux pas aller là-bas toute seule. Tu vois, toute ma vie, je ne vivais que toute seule chez nous. Alors, qu'elle soit quand même avec moi là-bas, maman. Je t'en prie. Elle n'ira nulle part, oh. Merci, maman. Tu es la meilleure que je connais dans ce monde. Merci. Merci. Maman, mais si tu veux, tu peux toujours aller avec elle. Arrête de me distraire. Pendant que je suis en train d'être bénie par ses pouvoirs spirituels. Maman. Je n'aime pas ce genre de distraction, hein. Ça veut dire quoi, ça, hein? Je te rappelle de mon rêve, n'est-ce pas?